Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de débunkage. Ça faisait un moment que j'avais envie d'en parler, mais vu que nous sommes en ce moment même sur le prépatch de Dragonflight, d'où le fond évidemment d'écran, eh bien on va pouvoir faire un petit point sur les prépatchs. Parce que l'année, enfin il y a 2 ans maintenant, il y a un peu plus de 2 ans, avec la sortie de Shadowlands, j'avais vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages énervés, on va dire, de messages négatifs à l'égard du pré-patch de Shadowlands. Et c'est vrai que à l'époque, en live, je parlais souvent de ce genre de réaction que je pouvais voir sur différents supports, hein, notamment la plupart des réseaux sociaux. Et je me disais, mais à quoi s'attendent ces joueurs en fait pour le pré-patch? Qu'est-ce qui peut se passer? En ce moment, on est en plein milieu du pré-patch Dragonflight, et donc je me suis dit, bah, c'était peut-être l'occasion de sortir cette vidéo, même si je n'ai pas spécialement vu de retour négatif concernant le pré-patch de Dragonflight. C'est aussi, ça me donne l'occasion de vous demander un petit peu votre avis, étant donné que je n'ai pas vu de réaction, que ce soit positive ou négative, très peu de waouh, c'est incroyable, ou waouh, c'est de la grosse merde. Pour le coup, à très peu de réactions. Très peu de réactions en fait, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis concernant le pré-patch Dragonflight. Je vais déjà commencer à me mouiller direct en pensant que le pré-patch Dragonflight, je pense qu'il sera globalement avec le temps bien accueilli et on se rappellera en bien du pré-patch Dragonflight. Pourquoi? Parce que bah, c'est le nouveau système de talent, enfin le retour à l'ancien système de talent, des transmos qui étaient assez agréables. Il y avait du contenu, il y a la météo, les nouvelles météos aussi élémentaires, etc. Donc peut-être qu'à terme, il sera bien retenu. On a eu des belles cinématiques également. Donc peut-être qu'il sera bien retenu, je ne sais pas trop. On verra. Je pense qu'il n'y aura pas forcément de grosses critiques à l'égard des pré-patchs. Mais du coup, ce qui est intéressant pour moi aujourd'hui, c'est dans cette courte vidéo de parler justement un petit peu de ce que sont les pré-patchs. On va revenir sur ce qu'est un pré-patch, puisque comme son nom l'indique, un pré-patch c'est quoi? C'est tout simplement un petit événement, on va dire, hein, qui arrive, une sorte d'intermédiaire, une sorte d'apéritif en fait, tout simplement, avant l'arrivée du repas, hein, qui est un patch majeur. Donc en fait, un pré-patch, c'est tout simplement un petit événement qui sert à combler l'entre-deux patchs. Généralement, c'est une fin de patch, bah, logique, hein, une fin de patch, et qui arrive à un autre patch. Alors, dit comme ça, je dis oui, bon, super, en plus ta définition est pas terrible. En fait, pourquoi j'évite justement le fait de dire que ça se passe avant une extension? Parce que l'origine des pré-patchs vient de Vanilla, World of Warcraft de base, à l'époque où il n'y avait pas encore le système d'extension, et que chaque patch était un peu vendu comme une mini-extension. Et du coup, eh bien, certains d'entre eux avaient justement une espèce de pré-patch, une sorte d'introduction au patch majeur qui arrive. Et c'était le cas notamment par exemple avec Naxxramas. C'est par la suite qu'on va avoir des pré-patchs pour préparer justement les extensions. Donc c'est pour ça que je voulais un petit peu en parler suite on va dire aux problèmes liés à l'accueil du pré-patch de Shadowlands, puisque globalement, bah, au final, on vient d'évoquer ce qu'est un pré-patch, et donc bah, le premier véritable pré-patch, c'était, enfin, un de ceux, non, c'est pas le premier véritable pré-patch, mais un des pré-patchs qui a été les plus mémorables, on va dire, c'est le patch de Naxxramas, hein, de Vanilla. Mais au final, eh bien, on va récupérer justement ce système pour sortir le véritable premier pré-patch majeur, tout simplement, qui est le pré-patch avant la première extension de World of Warcraft, à savoir Burning Crusade. Donc, on avait ce pré-patch qui, au final, j'ai fait une vidéo bien sûr de parodie sur ce pré-patch de Burning Crusade, mais parce qu'en fait, le pré-patch de Burning Crusade, il faut bien être conscient que c'est un événement qui était quasiment déjà en jeu avec des petits rajouts et des petits assauts différents à différents endroits dans le monde. Et au final, ça va avoir un accueil quand même positif à l'époque de Burning Crusade. Ça permet de temporiser un petit peu d'un point de vue, enfin, juste consommateur, d'un point de vue client, d'un point de vue joueur. Ça permet d'attendre un petit peu avant la sortie de l'extension majeure. Plutôt que de devoir se retaper tout ce qu'on a déjà farmé en boucle, eh bien, ça leur donne un petit peu de contenu. Ça permet aussi potentiellement de trouver de l'équipement qui permettra de faire la transition de manière plus simple. Même si bon, il n'y a pas forcément besoin de faire un pré-patch hein, pour pouvoir jouer à l'extension qui sort après. Et aussi pour Blizzard, c'est une sorte de crash test et l'occasion de tester un petit peu leur serveur, de tester un petit peu comment ça fonctionne. C'est vraiment une sorte de crash test, hein, tout simplement le pré-patch. Et donc, eh bien, chaque extension a eu son pré-patch. Et certains sont plus mémorables que d'autres. Ça sera aussi intéressant de voir un petit peu l'avis bah, l'avis des joueurs hein, globalement. Mais c'est vrai que chaque extension a eu son pré-patch.
Le petit bémol, c'est que la plupart des pré-patchs ne sont plus disponibles en jeu. Et oui, c'est un événement limité, un événement temporaire qui généralement a des récompenses spécifiques pour, on va dire, valoriser ceux qui étaient présents et qui payaient leur abonnement au moment du pré-patch. Donc voilà, c'est la petite récompense. Le bémol, je dirais, c'est qu'au niveau de l'histoire, c'est quand même bien problématique parce que le pré-patch, il sert dans l'histoire de l'extension. Si vous l'avez vu sur les vidéos qu'on a pu faire de Burning Crusade, de Wrath of the Lich King, notamment Wrath of the Lich King, et autres, même Mist of Pandaria plus récemment, hein, d'où l'image de Jaina et de Terramort, il y a des morceaux, en fait, il y a des gros morceaux de l'histoire, faut pas l'oublier, mais par exemple, le pré-patch de Wrath of the Lich King, sans le pré-patch de Wrath of the Lich King, vous ne comprenez pas vraiment pourquoi l'Alliance et la Horde partent à l'invasion du Northrend. Alors je pense que pour beaucoup, c'est en mode, s'en doutait un peu qu'on allait casser la gueule du roi Lich, tout ça, tout ça. Oui, mais c'est quand même ça qui motive dans l'histoire l'assaut de l'Alliance et de la Horde en Northrend. Donc c'est quand même des éléments importants et qui ne sont plus disponibles en jeu. Donc ça peut être un petit peu problématique. On a des exceptions, bien sûr, notamment le pré-patch de Mist of Pandaria. Alors on n'a pas l'entièreté du pré-patch de Mist of Pandaria, mais la série de quêtes et le scénario de Terramort est toujours disponible. Et ça nous permet du coup justement de pouvoir se remémorer, de revoir un petit peu ça. C'est phasé, vous avez d'ailleurs la Terramort de Mist of Pandaria. Et d'ailleurs, en fait, généralement les pré-patchs, comme je le disais un petit peu avant, c'est de l'apéritif. Donc en fait, c'est généralement, il n'y a pas grand chose. Vous allez avoir des petites journalières, des petits trucs à farmer, des petites récompenses, des petites mascottes, un petit peu de stuff, etc. Et en termes d'histoire, en termes de contenu, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose à faire. Soit c'est en bâche du meuble, soit c'est de la journée, etc. Ça peut être les deux. Parfois un donjon, ça peut arriver. Ou alors Draenor avait ramené un donjon. Dragonflight a ramené un donjon. Donc il peut y avoir un petit peu de choses. Mais globalement, c'est vrai que c'est assez pauvre, on va dire, assez maigre. C'est normal, ça n'a pas la prétention d'être quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment juste la petite friandise en attendant la sortie de l'extension. Et au final, pour ce qui est de l'histoire, c'est à peu près pareil. On n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, généralement, sur un pré-patch. Et c'est vrai qu'il y a deux grands pré-patchs qui sont mémorables en termes d'avancée dans l'histoire. Le premier, bien sûr, c'est celui de Mist of Pandaria qu'on a évoqué avant, avec la chute et la destruction de Terramort que j'ai déjà abordé dans pas mal d'autres vidéos annexes de Mist of Pandaria, mais pas que, hein, je n'agis sur les humains, les royaumes humains, etc. Mist of Pandaria, le pré-patch était assez important puisque c'était souvent la destruction d'une cité majeure de l'Alliance. Et si on se rappelle même de Warcraft 3 et du début du cadre de l'histoire de Vanilla et de World of Warcraft, c'était tout simplement l'une des capitales de l'Alliance en fait, hein, et notamment la capitale de l'Alliance de l'Ouest. Donc c'est quand même quelque chose d'assez emblématique et un événement extrêmement important qui, je le rappelle, est encore disponible en jeu. C'est l'un des scénarios que vous pouvez faire. Je crois que c'est dans le Val de l'Éternel Printemps avec les chroniqueurs, vous pouvez refaire le scénario justement de Terramort. Et ça c'est quand même cool puisque c'est l'un des rares pré-patchs que l'on peut encore faire. Et je pense honnêtement, hâte de voir aussi vos avis et vos retours là-dessus, mais je pense que l'un des pré-patchs les plus emblématiques, si ce n'est le pré-patch le plus emblématique, c'est celui de Battle for Azeroth. Celui de Battle for Azeroth. Alors Battle for Azeroth, on y reviendra plus en détail, il y a toute une playlist sur Battle for Azeroth. Mais un jour, on attaquera le BFA comme on a attaqué les autres extensions. Et faut voir que Battle for Azeroth, c'est quand même une extension qui se calque beaucoup en termes de scénario, donc en termes de structure, en termes d'ossature scénaristique sur Mist of Pandaria. On va dire que c'est dans les bons pots, dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe. Mist of Pandaria a fait de très très belles choses au niveau de World of Warcraft. Pas forcément étonnant de voir d'essayer de récupérer un petit peu ce qui a pu être fait pour penser, on va dire, autrement. Mais du coup, c'est vrai que Battle for Azeroth, c'est pas mal calqué sur les arcs de Mist of Pandaria. Et c'est un petit peu la même chose au niveau du pré-patch. Le pré-patch de Battle for Azeroth, hein, si vous aviez jamais fait le parallèle. Pré-patch de Battle for Azeroth, c'est tout simplement une cité majeure de l'Alliance qui se voit détruite par un chef de guerre de la Horde qui va trop loin et qui va, à cause de ses méfaits, créer de la division dans ses rangs, et ce qui va amener une rébellion et qui va finalement amener surtout à un coup d'état afin de destituer ce chef de guerre de la Horde qui a été trop loin et qui a commis des crimes de guerre. C'est clair que là-dessus, le pré-patch de Mist of Pandaria,
On le ressent un petit peu dans celui de Battle for Azeroth. Mais je dirais que celui de Battle for Azeroth va plus loin, notamment parce que, eh bien, il y a des cinématiques qui mettent en avant cet acte dans le pré-patch. On a tout simplement les vidéos de prélude à Battle for Azeroth. Et également, même dans la CGI, donc dans cette cinématique à très haut budget qui est sur le. Je crois que c'est Vétéran le nom de la cinématique, celle avec Sorfang qu'on avait analysée. On voyait la destruction de Teldrassil, hein, puisque c'est la destruction de Teldrassil, l'arbre tout simplement avec Darnassus comme capitale pour les elfes de la nuit. Et ça, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'épisode de la guerre des épines. Donc la guerre des épines, c'est tout simplement le pré-patch de Battle for Azeroth. Vous pouvez d'ailleurs trouver deux nouvelles de gratuites, hein, c'est Elegy et Une guerre en Europe qui narre la période de la guerre des épines, donc du pré-patch. Le truc, c'est qu'en jeu, eh bien, on ne peut plus assister la guerre des épines, donc le pré-patch de Battle for Azeroth, ce qui est fort dommage, puisque pareil, en termes d'immersion, en termes de travail, eh bien ce pré-patch, j'avais un petit peu, pour préparer cette vidéo, j'avais un petit peu demandé autour de moi, et beaucoup de monde a de très bons retours en fait, hein, concernant le pré-patch de Battle for Azeroth, parce que, bon déjà, comme je disais, il est emblématique d'un point de vue des cinématiques, je veux dire, c'est un pré-patch qui a amené énormément de réactions de la part des joueurs à la destruction de Teldrassil. Beaucoup de joueurs étaient énervés, d'autres peinés, d'autres émus, d'autres tristes, d'autres contents même, hein, en étant très fiers de voir ce que Sylvanas avait pu faire et autres. Donc ça avait créé beaucoup d'émotions, en tout cas ça c'est indubitable. Mais même en termes de contenu, on avait ces deux très belles montures exclusives pour les elfes de la nuit et les morts vivants. Et même surtout, eh bien, c'est l'une des rares quêtes où, on s'en rappelle, ça avait marqué beaucoup de joueurs. Côté Alliance, vous aviez une quête, alors c'était toute une série de quêtes à faire, etc., avec quelques expéditions et autres, mais du côté Alliance, eh bien, quand même, l'aboutissement de ces quêtes, c'était une quête que vous ne pouviez pas réaliser, que vous ne pouviez pas faire. Et ça, ça change, parce que c'est une des rares, enfin, c'est l'une de ces rares quêtes que vous ne pouvez pas compléter, où on joue un petit peu avec le matériau, enfin, le gameplay, où d'habitude, c'est, il faut aller faire ça, machin, on vous donne telle condition, vous y allez, vous réussissez. Là, vous ne pouvez pas réussir. En fait, vous avez beau essayer de sauver un maximum de personnes au sein de Darnassus qui est en flammes, qui est en train de brûler, ça ne suffit pas, l'objectif est trop loin, il faut sauver, je crois, 10 000, je crois, de mémoire, c'était 10 000 civils, et vous en sauviez, vous en sauviez, vous en sauviez, mais ça, le temps, le chrono, tournait, vous n'arriviez pas à sauver assez de monde. Et c'était l'une de ces rares quêtes où, en fait, à la fin, eh bien, on perd, on n'arrive pas à réaliser l'objectif. Et on assistait impuissant, le joueur assistait impuissant à la destruction de Teldrassil. Donc c'est quelque chose qui a été, qui a encore une fois, qui appuie sur les émotions et qui, et surtout, reste gravé dans les mémoires. Donc c'est vrai que celui de Battle for Azeroth, pour le coup, a vraiment, vraiment, reste, à mon avis, c'est pour ça que j'évoque le fait que c'est peut-être le plus emblématique de cela, même si bien sûr après c'est quelque chose de très personnel, hein, le fait que ce soit emblématique ou pas. J'ai essayé objectivement de parler de celui qui, au final, a le plus de cinématiques qui parlent de cet événement, celui où on s'en rappelle encore. Aujourd'hui, les joueurs de la nuit demandent des comptes, la suite aussi. C'est aussi quelque chose, c'est rare dans Lovecraft, mais c'est un événement qui a des conséquences graves et des conséquences lourdes. Et ce qui fait toujours, alors quand je dis plaisir, c'est pas en mode je suis content que les joueurs de la nuit soient fait détruire, mais ça fait plaisir parce qu'on a tendance, avec World of Warcraft, à voir un gommage, je dirais, des conséquences, alors que là, au contraire, ça laisse des cicatrices. Clairement, ça laisse des cicatrices. Et aujourd'hui encore, même avec Dragonflight, cet événement a des conséquences. Donc c'est assez intéressant. Et du coup, c'était aussi pour revenir sur le point, donc, les pré-patchs, globalement, on a dit que c'était un petit apéritif. Les pré-patchs, en fait, dans World of Warcraft, il y en a très peu qui sont vraiment emblématiques et qui sont surtout importants. Hein. Comme je l'ai dit, c'est des tout petits trucs avec très peu de contenu, en attendant la sortie. Donc en fait, peut-être que globalement, les deux pré-patchs qu'on retiendra le plus à l'heure actuelle dans World of Warcraft, ce serait celui de Mist of Pandaria et celui de Battle for Azeroth. Les autres, c'était des petites gourmandises. D'ailleurs, la plupart des pré-patchs aujourd'hui sont même calqués sur d'anciens pré-patchs. Celui de Shadowlands, par exemple, était globalement le pré-patch de Warsaw King, qui était lui-même calqué sur le pré-patch de Naxxramas à Vanilla. Celui qu'on a avec Dragonflight aujourd'hui, c'est une réinterprétation du pré-patch de Cataclysme, et je suis très gentil quand je dis ça. Donc au final, la plupart des pré-patchs, comme je disais, même dès le premier pré-patch d'extension, Burning Crusade, on reprenait des événements un petit peu in-game avec les événements des Blasted Lands, les Terres Foudroyées. Donc c'est quelque chose qui... au final, le pré-patch sont rarement originaux, il y a souvent une menace globale qui arrive, qui fait « Oh, on va tout détruire ».
Et du coup, on commence par un petit peu l'embêter pour éviter qu'elle fasse trop mal. Donc, c'est pas les pré-patch, je sais pas si vous vous rappellerez de Dragonflight comme ayant eu un grand pré-patch, je sais pas trop comment va accueillir, comment va, on va dire, se consolider le pré-patch Dragonflight dans la tête des joueurs avec le temps. Peut-être que maintenant on est dedans, donc on va dire ouais, c'est trop bien. Mais dans 2 ans, est-ce qu'on s'en rappellera vraiment? Est-ce qu'on se dira waouh, c'était génial? Voilà, c'était cette vidéo. Cette vidéo sert un petit peu à se rappeler. Alors, vous allez me dire un débunkage, mais t'as pas débunké grand-chose. Je préférerais juste garder à l'esprit que, par exemple, le pré-patch de Shadowlands, beaucoup de gens avaient dit que c'était de la merde. Il y a eu beaucoup de critiques négatives à l'égard de ce pré-patch. Et mon objectif dans cette vidéo, c'est de vous rappeler de prendre un petit peu de recul et de regarder derrière vous, de revenir en arrière pour voir s'il y avait, en fait, est-ce que Shadowlands, c'est vraiment un mauvais pré-patch? La plupart des pré-patch en fait de World of Warcraft sont pas terribles. C'est très peu de contenu et du coup, bah en fait, c'est plus rare d'avoir de bons pré-patch que des pré-patch. Enfin, c'est plus rare, je dirais, d'avoir des pré-patch avec beaucoup de contenu que des pré-patch avec que des maigres ou pauvres pré-patch. Je pense que ce qui avait embêté avec Shadowlands, c'était surtout que c'était l'une des questions de War Savage King, le déchaînement du fléau qui a été corrigé torché en 2 semaines. Et du coup, ça avait, je pense, pas mal fait grincer des dents les joueurs. En tout cas, voilà, c'était une petite vidéo très courte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos impressions, notamment vos impressions concernant les pré-patchs qui vous ont marqué. Et aussi, eh bien, le pré-patch Dragonfly, ce que vous en pensez. Voilà, plein de bisous. J'espère que ça vous a plu. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus dans le Nexus. Oui, bonjour. Alors, en fait, je suis le généralissime Krul et je suis pas très très content qu'on oublie de parler de moi, en fait, hein, parce que je suis au final le premier gros boss de pré-patch et on ne parle pas de moi, à part dans une vidéo parodique. J'ai tendance à pas être très content, voilà. Mais n'hésitez pas à mettre le petit like quand même, hein.